Par un bel après-midi, Cerise était près de sa cabane. Elle s'apprêta à monter quand, soudain, elle rencontra un homme étrange portant un gros pot de peinture dans sa main. Après avoir vu cet homme étrange, Cerise monte dans sa cabane pour raconter sa terrible découverte aux filles. Et les filles, vous savez ce que j'ai vu ? J'ai vu un homme avec un pot de peinture près de notre cabane. Après avoir dit toutes ces choses à ses copines, Cerise sorta de sa cabane. L'orage menaça. Et elle vit l'homme étrange avec un gros pot de peinture dans la main. Elle disa, « Je vais essayer de le suivre !» Elle perd sa trace, mais en fin de compte, elle se dit, « Je vais essayer de le suivre, peut-être que l'oiseau m'emmènera vers l'homme étrange. » Elle perd également la trace de l'oiseau, mais voit un mur avec une petite entaille. Et elle se dit, « Je vais essayer de passer dans la petite entaille. » Cerise prena son courage à deux mains pour escalader le mur, pour retrouver la trace de l'oiseau. Mais malheureusement, elle perdit la trace de l'oiseau. Et c'est un paysage de cartes postales qui s'opposa devant elle. Oh, j'ai pas le temps, je passe. Malgré la nuit qui commença à tomber, Cerise poursuiva sa route. Quand soudain, elle dit « Waouh, ce magnifique chef-d'œuvre !» C'était ce qu'avait fait l'homme étrange avec un pot de peinture dans la main, sa nouvelle œuvre. Le lendemain, à l'école, elle montra ça à sa maîtresse et à tous ses amis, et ce fut la plus belle découverte qu'aurait fait Cerise. Point final.